abandonné. On a bonheur, on a tous les amis. On est malheur, te voilà abandonné. Où Élisier, moi je t'avais dit depuis que tu étais mon ami. Je t'avais dit depuis que tu étais mon ami. Aïe, Polo Gambay, na Lucie et mamie. Où est Nani? Où est Gogo? Où est Nani? Où est Gogo? Où est Nani? Me voilà abandonné. Où est Nani? Où est Jélié? Où est Nani? Me voilà abandonné. Où est Nani? Où est Gogo? Où est Nani? Me voilà abandonné. Où est Nani? Où est Gogo? Où est Nani? Me voilà abandonné. Bonjour, monsieur Cancan. Bonjour, chef. Je suis venu vous annoncer une mauvaise nouvelle. Vous êtes? Je suis venu vous annoncer une mauvaise nouvelle. Qui t'a dit que les nouvelles sont mauvaises? Raconte-moi ce que tu voulais me dire intégralement. Votre frère Mandjunga a fait un accident grave avec votre voiture. Mon frère? Votre frère Mandjunga a fait un accident grave avec votre voiture. Il est tombé dans l'eau. Il est tombé dans l'eau, sous le pont du Vouri. Sous le pont du Vouri. Est-ce que la voiture marchait seul? Où est celui qui était à l'intérieur? Explique-moi la situation. Il est sorti en haut. Il est sorti en haut, hein? Oui. Et mon voiture est en bas. Oui. Est-ce que tu gravais chez lui? Non. Tu es son interprète? Non plus. Tu es seulement venu m'annoncer les mauvaises nouvelles? Oui. Va lui dire que... Oui. S'il veut sortir en haut, que mon voiture aussi soit en haut. S'il est en bas, que mon voiture aussi reste en bas. Tu comprends? Très bien. Va lui raconter. Au revoir, monsieur. Nous allons nous revoir. Ça, c'est les problèmes qui ne devaient même plus m'arriver. Et dit qu'il ne travaille pas chez lui, mais il est venu seulement pour m'annoncer les nouvelles. Où sont les clés? Comment je veux raconter à Hélène? Famille! Mais parle vite.
C'est quoi quand parle? C'est quoi même ça? Hein? Parle. Je vais partir rentrer à la cuisine, hein? Si ça continue, je vais m'énerver très mal. D'ailleurs, tu me connais très bien. Hein? Assez, maman Hélène. Assez, maman Hélène. Ouais, vas-y. Et me d'azor, pardon. Donne-moi dire, je vais pas dire avec toi. Et puis quoi, parle. Et puis quoi, parle. Oui, continue. Il me dit que pardon. Tu connais ce que tu m'as dit, c'est mon moitié, c'est ton moitié. Ouais. Et puis quoi? Je vais me fâcher, hein? Oh, là, tu marches doucement, mon moitié. Il a commencé à faire le choses. Il est là, rue qui parle de toi, il parle de jeter le voiture. On me dit qu'il est sorti en haut, il est là. Voilà. Très bien, voilà le résultat. Un homme qui ne veut jamais écouter les conseils de ta femme. Tu n'es pas encore vu, tu vas voir plus que ça. Daniel, Jean Daniel, allô, je griffonne gendarmerie nationale, j'appelle officier de l'ogre sanglant, c'est moi qui étais blanché, Jean-Michel, Cancan en danger, dans ma maison, quand je mets... la désordre, on met les logres. Tu frappes les portes de ton père mort. Daniel. Et me frappe les portes. C'est déjà que portes. C'est les portes de cabinet ou bien les portes de WC. Parle là-bas de haut. Monsieur Cancan, je suis venu vous annoncer une triste nouvelle. Je suis venu vous annoncer une triste nouvelle. Qui t'a dit que la nouvelle est écrite? C'est ce qui se passe qui est écrit. Alors, quel est ton cri nouvelle? Votre frère Mandjunga qui était ici est mort. Que? Votre frère Mandjunga est mort. Elle est... Votre frère Mandjunga qui était ici est mort. Elle est moi, hein? Il est mort, son corps se trouve à la mort. Est-ce qu'il t'a donné mon argent? Non. Tu es son interprète? Non. Tu es son intermédiaire? Non plus. Tu es seulement venu m'annoncer qu'elle est moi, hein? Oui. Voilà. Va lui dire que s'il veut mourir, qu'il m'envoie d'abord mon argent. Il est moi mais où? À l'hôpital central. Oh? À l'hôpital central. Est-ce que l'hôpital central est loin? Il faut que je parle, lui voir que mes règles les comptes. Parce que... Non. Il faut que... Il peut me faire que j'ai rien.
Manjunga était essayé dernièrement. Neuf. Comme les 404 qu'on vient d'acheter au Brésil. Il me prend mon argent et pas dormi et m'envoie l'écrit nous quand son frère disait que c'est l'écrit nous. Et moi je et pour que Milamoussin. Bonjour, monsieur le docteur. Bonjour, monsieur. Veuillez prendre la peine de vous asseoir. Je ne suis pas venu m'asseoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux mon argent. Votre argent? Mais de quel argent s'agit-il? Je dis que je veux mon argent. Monsieur, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas très bien. Tenez, voilà quelques comprimés. Tu t'embrouilles, pourquoi? Je dis que je veux mon argent. Monsieur, j'ai l'impression que vous êtes trompé de porte. Nous ne sommes pas ici dans une institution bancaire, nous sommes plutôt à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a à votre service? Si je t'explique le problème, c'est le gars qui me dit que explique elle. Manjunga est venu chez moi. Non. Il vient te voir. Tu lui piques un pique qui va dormir avec mon argent. Va lui piquer l'autre. Il se lève et me rembourse. Manjunga? Vous avez dit Manjunga? Oui. C'est qui Manjunga? C'est lui que tu connais. Manjunga. Attendez, je vais vérifier. Alors que lui connaît. Dites-moi, monsieur, qui était Manjunga pour vous? Ce qu'il était pour toi. Je suis désolé, mais monsieur Manjunga est mort. Il était arrivé ici il y a 3 jours. Nous avons tenté l'impossible pour le sauver, mais nous n'avons pas réussi. Son cœur d'ailleurs est à la mort. Vous pouvez aller vérifier. Comment, monsieur le docteur, que tu veux me dire que Manjunga est mort? Manjunga était chez... D'abord, ce problème ne me concerne pas entre moi et toi. Et pour que et moi-même, que je le vois, que mes rêves... Tu vas aller à la mort. Manjunga, moi je suis ici dehors. Manjunga, je dis que je suis ici dehors, j'attends mon argent. Est-ce que quelqu'un peut changer le dessin de l'autre? Il faut que Manjunga lui-même et Langousse, s'il veut partir, il part en ses fois. Je peux m'amuser comme ça alors que c'est la vérité. Hein? Si pas définitivement, c'est moi qui ai pédant. Hein? Manjunga, il faut que moi je le vois, hein? que le mérambo. Mais que se passe-t-il, monsieur? Que se passe-t-il, monsieur? Allons, calmez-vous! Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il?
Allons, calmez-vous, monsieur. Dites-moi, qui a-t-il? Que se passe-t-il? Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Qui a-t-il? Monsieur le docteur, oui, c'est-à-dire, Manjunga ne connaît pas que je suis en train de venir et doucement. On met un sang que je frappe, c'est on met un temps que j'ouvre. Quand j'arrive, je trouve que son sang est encore ouvert. Ce n'est pas possible, c'est ce que vous racontez. Il me voit, il voulait encore former, je dis, tu m'en ouvres. Mais c'est incroyable ce que vous racontez là. Attendez, je vais aller vérifier. Manjunga n'a pas encore mon sang encore ouvert. Il ne connaissait pas que je viens. Dès que il me voit, il veut fermer, je dis tu m'en ouvres. Ce gars, les gens sont malheureux. Calmez-vous, monsieur. Encore une fois. Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Il voulait seulement me croquer. Calmez-vous, monsieur. Encore une fois, je suis désolé, mais votre frère Manjunga est bel et bien mort. Hein? Votre frère Manjunga est bel et bien mort. Avec les yeux ouverts. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui meurt les yeux ouverts? Donc c'est les mêmes que les moi. Hélas, oui. Tu me jettes à terre? Tu me jettes à terre? Viens. Manjunga. Quand tu es venu, tu trouvais que tu es mon cousin et ma dernière. Quand je t'avais donné 5 millions, que tu disais que tu veux me bourser avec un intérêt de 50%. Pardon. Laissons la fête de l'intérêt. Laissons la fête d'intérêt. Donne-moi seulement ce que tu avais. Prends chez moi. Si tu as donné mon argent à ta femme, ou toi-même tu connais les chansons que le garçon avait chanté que moitié, moitié. Bon, tu me donnes les moitiés, tu prends les moitiés. Parlez, non. Quand tu es venu chez moi, tu parlais, non, non, non. Qu'est-ce que je t'appelle? Bon, pour la fête, d'abord, il n'y a plus. Donne-moi seulement les pourcentages, un point, un gré. Qu'est-ce qui commence à sentir mal comme ça? C'est le cadavre de Manjunga. Un, deux, trois, quatre, cinq. 5 millions. Si c'était 15 francs, je me débrouillais. 10 francs, j'allais dire que c'est mon frère. 5 francs, je laissais passer. Jusqu'à 5, non.
Allons, lève-toi. Allons, tu veux me... Tu veux me rembourser la haute la masse. J'ai affaire à un ivrogne qui trouble la tranquillité de tout un quartier. J'ai pas... Taisez-vous. Et qui, en plus, outrage les représentants de la force de l'ordre, mon commissaire. Monsieur, veuillez me présenter votre carte d'identité. Mais ça, je lui ai dit. N'est-ce pas, je lui ai dit, qu'est-ce que vous m'avez dit? Répétez-moi donc ce que vous lui avez dit. Tu connais, chef. On dit vous au commissaire. Parce que je lui ai vu tout seul. C'est une formule de politesse. En effet, monsieur, c'est une formule de politesse. Continuez, je vous écoute. Sur les rues de Mouda, tu vois les voitures que sur création, que c'est écrit en haut que Dieu seul est témoin de mon vérité. C'est les voitures de M. Danjo, l'enfant qui conduit, c'est l'enfant de M. Gabriel, celui qu'on appelle que Dieu le... Ça m'est arrivé comme quelque chose qui n'arrive pas à quelqu'un. Me voilà que j'ai quitté ma maison, j'arrive en rue. J'ai quitté les rues, me voilà au stationnement. Qu'est-ce que je vois? C'est le cas de M. Etanjo. C'était comme quelque chose qui me piquait. Le cœur me dit descend, le corps me dit monte, le cœur me dit descend, le corps me dit monte. Nous voilà à l'intérieur. Façon que les garçons aient démarré les voitures, je lui ai dit, jeune garçon, accélère les voitures, il ne faut que mettre les voitures en vitesse. Accélère, il ne faut que mettre les voitures en vitesse. J'ai d'abord voir comment on est parti trois fois à droite. Quand on est venu pour les dernières fois à gauche, j'ai entendu boum. Tout le monde a levé et les Sissongo sur sa tête. C'est là que mon carte d'identité est resté. Si je comprends bien, vous n'avez aucune pièce sur vous. Pour la fête des pièces, je lui avais dit non. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que j'ai pas les pieds, j'ai un billet de 1000 francs. S'il veut qu'on arrange, on arrange. Vous osez dire cela au commissaire? Mon commissaire, corruption, article 555. En effet, monsieur, c'est une tentative de corruption, cela pourrait vous coûter très cher. Dites-moi, quel est votre nom? Quel est? Votre nom? Qui? Vous. Moi? Oui. C'est Kang Kang. Kang Kang qui? Jean-Michel. C'est les jeunes filles de Mouada qui m'appellent bonbon alcoolisé. Quel est le nom de votre père? Quel est? Le nom de votre père. C'est lui qui m'a naissance. Oui. Monsieur Tag Moui. Monsieur Tag Maurice ou Moui? Monsieur Tag Moui. Maurice ou Moui? Écris les deux. Quel est le nom de votre mère? Les noms? Le nom de votre mère. Mais ça, c'est sa femme. Son nom à elle. Madame Tag Moui. Son nom de jeune fille. Mademoiselle. Le nom qu'elle avait avant d'épouser votre père. Le nom qu'elle avait avant d'épouser votre père. Comment l'appelait-on? Elle s'appelait Madame Tag Moui. Comment s'appelait-elle avant d'épouser votre père? Le nom qu'elle a ramené chez son père. Oui. Oui, elle s'appelait Magne Isabelle. Magne Isabelle ou Isabelle? Magne Isabelle. Isabelle ou Isabelle? Écris un tu laisses l'autre. Quelle est la profession de votre père? Quelle est? La profession de votre père. N'est-ce pas, tu vois en face des cinémas les feux. C'est lui que
que les comptoirs qu'on avait cassés dernièrement, commerçants, 205, et vendaient les habits. Et la profession de votre mère? Lui aussi fait les mêmes gravats que son mari. Commerçante. Mais lui, il est pour les biens. Et quelle est votre profession à vous, monsieur Cancan? Quelle est votre profession à vous? Moi? Oui. Moi, je me débrouille. Que signifie se débrouiller? Je me démerde. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Monsieur Cancan. Chef. Ainsi donc, c'est vous qui troublez la tranquillité des honnêtes citoyens qui dorment paisiblement chez eux. J'ai pas trouvé les... Tu vois dans quelle situation tu me... J'ai pas trouvé les tranquillités d'honnêtes citoyens que... C'est encore vous qui outragez les forces de l'ordre. Que... C'est encore vous qui outragez les forces de l'ordre. Que c'est fait d'outrager. Vous mal parlez de la force de l'ordre. Est-ce que j'ai mal parlé avec la force de l'ordre? Qu'est-ce que vous avez dit alors? Moi, ce que j'avais dit... J'avais dit que si un jour, je vois quelqu'un qui touche un gendarme, un militaire ou un policier, je vais intervenir crûment. Brigadier. Mon commissaire. Vous allez tenter de prendre des renseignements sur sa famille et faire convoquer ici un membre de sa famille. En attendant, vous allez le garder au frais. Et merci. Surtout, prenez soin de le déshabiller, on ne sait jamais. À vos ordres, mon commissaire. Gentil. Venez là. Mais ça, tu es content. Allons doucement. Mon bien ne touche plus la tête. Allons doucement. Oui. Qui a-t-il encore, brigadier? Il y a Madame Cancan qui est là, mon commissaire. Introduisez-la. À vos ordres, mon commissaire. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Prenez la peine de vous asseoir. Merci, monsieur. Dites-moi, ainsi donc vous êtes l'épouse de monsieur Cancan Jean-Michel? Oui, monsieur. Vous êtes marié depuis combien de temps? Oh, ça fait longtemps, hein, monsieur le commissaire. C'est d'ailleurs une très longue histoire. Je me suis mariée à Cancan quand j'étais encore jeune. Et sur l'ordre de mes parents. Ce sont mes parents qui m'avaient poussé à l'épouser. Au début, c'était un mari exemplaire, je vous dis. Je gérais ses affaires. Il était tout le temps à la maison. Mais dès qu'il a pris une deuxième femme, monsieur le commissaire, ce fut la période morte pour moi. Tout pour la nouvelle épouse, rien pour moi. Même lui-même, il ne connaît même plus le chemin qui va dans ma chambre. Madame, comment vivez-vous à présent vos enfants et vous? Monsieur le commissaire, je suis obligée de vendre les arachides, les bananes, les bâtons de manioc au bord de la route pour que mes enfants puissent manger. Et votre coépouse n'est-elle pas au courant de la situation de son mari? Ah, elle m'a dit que ce n'est pas son problème. Est-ce qu'elle est même là pour le mal? Elle est là rien que pour l'argent. Brigadier! Brigadier! Mon commissaire! Faites-moi venir d'urgence M. Cancan Jean-Michel. À vos ordres, mon commissaire. Cancan, venez là! Venez là! Allons. Dites-moi, monsieur. Reconnaissez-vous cette femme? Est-ce que les enfants sont partis à l'école? Est-ce que les enfants sont partis à l'école? Je vous demande si vous reconnaissez cette femme.
Mais ça, c'est celui que j'étais en train de vous dire. N'est-ce pas celui que tu étais en train de nous dire? Espèce d'ivrogne, tu passes tout ton temps à boire. Et le drame, c'est que tu te balades comme ça, sans papier, absolument rien. Madame. Monsieur. Qui est le commissariat de situation? Taisez-vous. Madame. Monsieur. Le commissariat de sécurité publique n'est pas une cour criminelle. Jamais. Silence. C'est encore moins un enfer. Rien du tout. Nous avons pour mission de protéger les citoyens de cette ville et leurs biens. Comme d'habitude. Nos services ont rencontré votre mari errant terre dans la nuit comme une âme en peine. C'était pas clair. C'était pas clair. C'est la raison pour laquelle nous l'avons conduit ici pour voir plus clair dans sa situation. Mais nous allons devoir le libérer. J'espère seulement qu'il ne recommencera plus. Vous pouvez partir, madame. Merci, monsieur le commissaire. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Brigadier. Mon commissaire. Établissez-lui un bon de relax et libérez-le. À vos ordres, mon commissaire. Venez là. Moi, je voulais... Sortez! There he goes. Hé, hey, monsieur, sortez! On n'entre pas dans un bureau administratif en sifflotant. Allez frapper à la porte. Oh! Allez frapper à la porte. Pourquoi? On n'entre pas dans un bureau administratif en sifflotant. Écoute-moi quelqu'un. Moi, j'ai entré au lieu que me recevoir et me dit qu'on entre. C'est ton bureau. Allez frapper à la porte. Est-ce que je suis obligé de frapper? Il me dit que c'est comme son enfant. D'abord, si je sors, si tu me vois dehors, c'est parce que moi-même je vais sortir. C'est pas que c'est toi qui me fais sortir. Il me dit que ça, on dirait que je suis son enfant. C'est comme ça qu'ils font. Ils me voient arriver. Au lieu qu'ils me regardent d'abord, qu'ils ne me saluent rien, sauter. Ils me chassent comme un chien. Allez frapper. Même si je ne frappe pas, tu vas me faire quoi? Entrez! Hein? Entrez! Que? Entrez! Tu l'as vu où? Entrez, monsieur! Ce sont les gens qui t'assistent quand tu as le bonheur. Quand tu as le malheur, tu ne peux pas lui voir. J'ai dit à André que André, combat-moi en vie. Il a dit qu'il n'a pas d'état d'identité. J'arrive ici, tu dis que André, tu le vois où? Entrez! Là. Que moi, je te dis que je suis venu ici, tu dis que André, que tu peux le voir où? Bon, arrivé. Bonjour, monsieur. Qu'y a-t-il à votre service? Tu connais les jours que ma femme est morte. Au lieu qu'on lui enterre, on lui enterre avec mon carte d'identité. Moi-même, je voulais voyager. On m'a dit qu'il faut que j'attende d'abord. C'est même pour ça. Il y a aussi... Vous venez ici pourquoi? Je suis venu pour la carte d'identité. Donc vous voulez une nouvelle carte d'identité? Oui, parce que l'autre quand Hélène est parti, elle est partie avec ça. Bon, prenez la déclaration, allez remplir. Moi, je ne connais pas écrire.
D'abord, ça, ce n'est pas mon travail. Tu écris toi-même. Quel est votre nom? Que? Vous? Moi? Oui. Et que? Jean-Michel. C'est votre nom ou votre prénom? Jean-Michel. Jean-Michel qui? Massa Gangan. C'est les jeunes filles du quartier pour attaquer ma paix que bonbon a colisé. Vous êtes né quand? Je. Vous êtes né quand et où? Je suis arrivé au Cameroun pendant la première récolte des arachides avant l'arrivée des Allemands. Les Allemands sont arrivés au Cameroun en quelle année, monsieur? Est-ce que je suis un livre d'histoire? Disons vers 1901. Oui, c'est même ça. Né vers 1901. Le nom de votre père? Le nom de? De votre père. Quand tu arrives au marché de micro, c'est-à-dire en face des signements et les feux, tu vois les comptoirs. Je demande le nom de votre père. C'est lui qui a une naissance? Oui. C'est monsieur Tag Moïse. Tag Maurice. Moïse ou Moïse? Tag Moïse. Maurice ou Moïse? Écris les deux. Le nom de votre mère? Hein? Le nom de votre mère? N'est-ce pas, c'est sa femme? Son nom à elle? Madame Tag Moïse. Son nom de jeune fille? Son nom de jeune fille? Mademoiselle. Je demande le nom qu'elle avait avant d'épouser votre père. Comment l'appelait-on? Donc, le nom qu'elle avait ramené chez elle? Oui. Oui. Magne, il s'appelle. Magne. Il s'appelle. Isabelle, oui, il s'appelle. Magne, il s'appelle. Isabelle, oui, il s'appelle. Ce qui est bon, tu écris. Ce qui est mauvais, tu laisses. Votre profession? Que? Votre profession à vous? Moi? Oui. Moi, je me débrouille. Hein? Qu'est-ce que signifie se débrouiller? C'est-à-dire, je me démène. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Vous êtes domicilié où? C'est ça que je voulais vous raconter. Je suis au carrefour de beaucoup de bars. Qu'est-ce que signifie le carrefour de beaucoup de bars? Quand je suis ici à Yaoundé, ça dit, c'est même pas loin. Tu vois là en haut, quand tu es arrivé chez moi, ma maison n'est même pas loin. D'abord, tu vois Planète à côté. Le nom du quartier? Oui, c'est-à-dire après Planète. Dès que tu traverses les rues, c'est super Paquita. Si tu descends en bas, c'est super Lido. Si tu descends encore, tu arrives à Cheval-Branc. Si tu montes Arrêtez. En haut, tu arrives à Edouard. Ça va. Après Edouard, la main en haut. Ça va, monsieur. Moi, je ne bats même plus. Bon, venez là, je veux prendre vos empreintes. Que? Passez par ici, je veux prendre vos empreintes. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que ça peut prendre? Comment tu m'es pris et toi, fort comme ça? Doucement, hein? Je compte jusqu'à quand, hein? Doucement. Donnez la main droite. Voilà comment il m'est sali, hein? Doucement. Allons doucement. Oui. Et puis,
Bon, vous allez me remettre trois photos d'identité et les timbres de 300. Tout à l'heure? Oui. Et c'est moi. Moi, je ne peux pas venir ici ça avant mon photo fier. Tu m'attends un peu. Tu as dit les timbres de combien? 300. Attends, je peux sortir une mille fois. Je vais me mettre dans les problèmes. Il faut me voir. Ça, c'est quand j'étais tout jeune. Pour l'été. Pour l'été. Ne m'oublie pas. Ça, c'est pour l'été. Bon. Repassez demain. Que? Repassez demain. Repassez les habits de qui? Revenez demain, monsieur. Pourquoi? Le commissaire n'est pas là. Elle est où? Il est en tournée. Pourquoi tu es resté? Monsieur, ne m'embêtez pas, hein? Il ne faut pas alors que je vienne demain, après tu me dis rien. Hein? Allez chez vous, monsieur. Moi, mon père, tu as dit que demain, il faut que demain j'arrive, tu me donnes les cas. Auparavant, les filles s'habillaient bien. Maintenant, c'est tout le concret. On les voit marcher sans soutien gauche et parfois sans. Oh! Entrez! Hein? Entrez! Si je te réponds, c'est pas moi. Non, c'est pas à lui que j'avais parlé des problèmes d'engrais. Il me dit que engrais. Est-ce que je suis là pour engrais? Là où il t'a donné la femme, j'étais là. Bonne arrivée. Ah, monsieur Cancan. Je m'occupe bien de vous, hein. Le commissaire n'est pas encore là. Et? Le commissaire n'est pas encore là. Donne-moi mon photo fier. Quoi? Donne-moi mon photo fier. Je vais aller me débrouiller. Monsieur, ne gronde pas ici, hein? C'est pas que je gronde. Donne-moi mon photo fier. Je vais aller me débrouiller. 1.2°. Revenez demain. Jamais. Je viens aujourd'hui, tu me dis que viens hier. Je viens hier, tu me dis que viens avant demain. Donne-moi mon photo fier. Monsieur, on ne gronde pas ici. Est-ce que j'étais grondé? Et comprenez que vous êtes en infraction. Je suis? Vous êtes en infraction. Et c'est toi qui es en infraction? Donne-moi ce que je te demande. Allez chez vous. Donne-moi mon photo. Sortez fier. D'ici. Ah, toi tu t'amuses, hein? Ne venez pas me confondre ici, hein? Quoi? Ne venez pas me confondre ici. Qu'est-ce que ça suffit? Donne-moi ce que moi je te demande. Bon, allez chez vous. C'est la dernière fois que tu me bousculeras. Hein? Donne-moi mon photo fier. 1.1°. Sortez d'ici. Que? Ah, tu me pousses comme ça, alors que même la force, tu n'as rien. Donne-moi ce que moi je te demande. Je viens aujourd'hui, il me dit que viens hier. Je viens hier, il me dit que viens avant demain. Tu me prends comme ton enfant. Je vous ai déjà dit, hein? Donne-moi ce Allez que moi vous. Je te demande. Entrez, sortez. S'il vous plaît, vous me bousculez. Sortez, monsieur. Que?
Le gouvernement sauve beaucoup de gens. Hein. Est-ce que faut que physique tu peux? Vous venez faire la force ici? Hein? Vous êtes fort? Donc, moi... Allez. Allez, tu m'es bousculé. Alors? Tu m'es bousculé. Viens. Bon, attendez d'abord. Alors, c'est le commencement. Viens. Monsieur. Viens. Monsieur. Viens, que je t'aime. Appelez-vous par ici. Viens. Viens. Avant que je départ. Que se passe-t-il ici? C'est ce monsieur qui s'est introduit ici. Que se passe-t-il ici? C'est ce monsieur. C'est ce monsieur qui s'est introduit ici et s'est mis à bouleverser tout, mon commissaire. Quelle explication avez-vous à donner? C'est vous qui. Quelle question? Je suis le commissaire d'ici. Voilà. Vous venez où? Pourquoi cette question? Hein? Pourquoi cette question? Je demande que vous venez où? Je viens aujourd'hui, il me dit viens avant hier. Je viens avant hier, il me dit que viens après demain. Le commissaire est parti en tenue. Le commissaire est parti en tenue. Le voici, parlez. C'est quoi cette histoire-là? Avant que j'arrive, hein, c'est lui qui m'a gravaté le premier. Il dit qu'il est méchant. Et c'était pour quel service? Tu vois, je... Expliquez-moi calmement. Ne pleurez pas. Je vous écoute. Le jour que... Et moi... On l'a entré... Avec ma gare, et dans l'idée. Moi aussi, je voulais prouver le pouvoir. Avant que je suis venu, pour qu'on me tabri, et le gars était dans l'idée. Je viens aujourd'hui, il me dit viens demain, viens avant, viens après. Parce que j'ai venu, je lui ai dit que donne-moi mon photographe, je vais aller me débrouiller. Calmez-vous, je vais m'occuper de vous. Présentez-moi son dossier. Il est complet, j'espère. Est-ce qu'il est complet, son dossier? Oui, mon commissaire. Et qu'attendiez-vous pour me le présenter? C'est hier qu'il est arrivé, mon commissaire. Qui? D'abord, attends que fait. Monsieur Tancan, vous avez de la chance que je compatisse à votre malheur. Oui, monsieur. Mais sachez qu'il est interdit, formellement interdit, de semer ce genre de troubles dans un service public. Est-ce que je voulais semer les désordres dans les services privés? C'est lui, voilà. Voilà un vrai enfant du pays. Quand, voilà, Nessa, tu as dit que je n'ai rien donné. Tu as appris ça avec moi. C'est comme ça, par exemple, si je te rencontre en route, je vais dire que, vois-moi les faux commissaires, que pas, vois-moi les faux commissaires. Tu as un problème avec moi. C'est ces gens, ces bandits, que vous mettez même dans leur place qu'il ne faut pas que vous les mettez. Celui-ci. Dieu de Dieu, si on cherche, il n'a même pas le CP. On le prend, on le met quelque part, que aide ton frère. Je viens aujourd'hui, il me dit viens hier. Je viens hier, il me dit viens après demain. Je comprends, M. Cancan, et vous avez parfaitement raison. Mais rassurez-vous, ce genre de comportement n'est pas l'apanage des seuls agents de la police, hélas. Je vous donne la garantie, néanmoins, que la prochaine fois. Ils sont nombreux. Oui, et je vous donne la garantie que la prochaine fois que vous viendrez ici, vous serez servi avec plus de courtoisie. Vous pouvez partir maintenant. Oui. Toi, tu vas rester me penser ici. Hein? Si tu commences, mais encore, je te montre plus que ça. Vois-moi comment. Il est là, il fait comme s'il ne me voit pas, alors que me voit. Hein?
Jacques, le commissaire, je sais que ce n'est pas facile, le travail que nous faisons. Mais j'entends que vous serviez dorénavant tous les usagers, quels qu'ils soient, avec célérité et surtout avec courtoisie. Vous m'avez compris, j'espère. À vos ordres, mon commissaire. Allez vous reposer maintenant. Ça va, ça va, ça va, ça va. Tu m'as ça va, ça va. Les 200 francs d'abord. Calmez-vous, calmez-vous. Hein? Aujourd'hui, il me dit, viens avant hier. Reconnaissez-vous cette femme? Est-ce que les enfants sont partis à l'école? Est-ce que les enfants sont partis à l'école? Je viens avant hier, il me dit que viens après demain. Le commissaire est parti en tenue. Hein? Vous êtes fort? Donc, allez. Allez, tu me bousculé? Alors? Tu me bousculé? Tu me bousculé? Espèce d'ivrogne, tu passes tout ton temps à boire. Et le drame, c'est que tu te balades comme ça, sans papier, absolument rien. Tu me bousques. Tu me... Viens. Bon. Le commissaire est parti en tenue. Le voici, parlez. Moi, je voulais... Sortez! Dites-moi, de quoi souffrez-vous? C'est-à-dire que ça me brûle. Qu'est-ce qui vous brûle? Ça me chauffe.